Et salut à tous After, j'espère que vous allez tous très bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Waka. Et donc c'est parti, on se retrouve, on va tout simplement aller faire quelques objectifs, hein. Il y a pas mal d'objectifs qu'on doit encore faire. Et j'ai envie de faire rapidement tout ça. Et du coup, oui j'ai de la nourriture, cool. Et du coup, tout simplement, on va continuer. Alors, on a un défi qui est de faire un stack donc de soupe. Je pense que c'est les crafter, je pense. Donc, tout simplement, on va les crafter. Et également, dans cet épisode, on va faire un petit... une maison champi. Alors, je vais aller voir pour une hache, parce que c'est ça qui gère. Et on va prendre max... de bonne mille, un masse de bonne mille, pardon. Hop, voilà. Également, il me faut des mines. Ah, voilà, une hache, ça fait du bien. Et du coup, on va aller se faire une maison champi. Il en faut une, donc on va en faire une. Boum. Je sais pas comment on fait, je pense que c'est juste un champi qu'on plante et qu'on fait grandir, je pense qu'il n'y a pas autre chose à faire. Du coup, voilà, on retourne encore une fois sur cette île avec un passage méga beau. Waouh! Hop les! Et voilà, c'est parti! Du coup, là, c'est pour casser instant les trucs en fait. Et il me faudrait des champis de. Il me faudrait des champis d'une autre couleur en fait. Non! Non, Daniel! Purée, Daniel, enfin! Et donc, on va casser tout simplement tout ça. Je pensais qu'on avait d'autres couleurs. Donc ça, on va en prendre ces d'autres couleurs, hein, parce qu'il en faut. Voilà. Donc ça, ça fait une soupe. Voilà. Il faut que je les replante. Je pense que ce serait utile. Je vais en replanter un. Ici. Tiens, voilà. Comme ça, il va se déployer. Du coup, voilà, j'ai assez de champi. On va en faire un petit peu. Les 64 soupes, il va falloir les foutre dans des coffres. Mais on va les crafter, notamment grâce aux vaches aussi. Je pense que on a le droit. Hein, et comme ça, on pourra valider l'objectif. Également, on va se faire une maison champi juste ici. On va se la faire là. Boum! J'avais envie de la faire là, du coup, boum, on se la fait là. Il va falloir beaucoup... Pourquoi tu veux pas te planter, mon pote? D'accord. Faut de la place, peut-être, autour, je sais pas. Ok, ça veut pas se planter. Est-ce que ça veut bien se planter? Non. Il y a que sur de la pierre, apparemment. À foutre de la pierre, peut-être. Peut-être que c'est utile, hein. Peut-être que c'est ça. Et on va la faire chauffer. Je vais... oui, parce que, voilà, c'est sur la pierre lisse, je pense. Comment ça se fait que là-dessus, ça s'est fait? Ah, mais c'est pas sur de la pierre, là. Mais je sais que des champignons, généralement, sur de la pierre, il n'y a aucun problème. Ça le fait. Hop, c'est pas ça. Du coup, on va casser ça, on fout de la pierre. Est-ce que maintenant, tu veux bien te mettre? Non. Ok, on va chercher tout simplement... de la terre de là-bas en fait. Est-ce que j'ai une seal touch? Nope. Je pense pas que j'ai de seal touch. Non, j'en ai pas. Mais il va falloir faire avec parce que c'est très très chaud à avoir une seal touch. Et du coup, j'en aurai pas. Et je pense que la terre de là, c'est de la terre. Quand on la casse, c'est de la terre comme ça, non? Oh mince. Ouais, c'est de la terre comme ça, il nous faut une seal touch. Je pense pas qu'on en a reçu de la terre comme ça. Je pense pas du tout, même. Je suis même sûr. Ah, ok, on a même des trucs comme ça. Alors, ça je vais le casser parce que ça va nous donner masse champi d'autres couleurs. Il va falloir le replanter. Du coup, on fera ici la maison champi, on va la faire ici. Alors, on va la faire. J'ai déjà cassé tout ça, voilà, on casse tout ça, j'ai pas besoin des champignons, enfin voilà, ça tombera de toute façon, donc hop, voilà, et on va se la faire ici, donc hop, voilà, comme ça, ok, je suis pas sûr que ça c'est une maison champi en fait, je sais pas comment on fait une maison champi, alors attendez, on va faire un truc comme ça, vous allez voir, ça va être stylé, on va creuser.
Est-ce que comme ça on a le droit de poser? Eh mais on n'a pas le droit. Ah, il faut le planter près de l'eau à mon avis. Alors on va mettre ça par exemple. S'il y a de la terre autour, c'est pas grave. Ok, d'accord. Si c'est grave, d'accord. Du coup, je sais pas comment on va pouvoir le faire. J'ai pas envie de dépenser là tous mes trucs. Ok, on va le faire là. C'est la meilleure des solutions. Voilà, comme ça. Et on va l'enfermer. Il faut casser ça tout simplement. Voilà. Je suis dans la terre. Ok, non, dans ce bloc là alors. What? Bah, les amis, y'a un bug. Ok, d'accord. D'accord. Ok, je comprends rien, c'est pas grave. Je sais pas comment on va faire une maison à champi. Si vous avez des idées, vous pouvez le mettre en commentaire. Je vais m'attaquer rapidement à l'objectif, tout simplement. Puis il va falloir aussi s'attaquer à l'objectif de... Comment ça s'appelle? C'est l'objectif où on doit planter un arbre de chaque type sur l'île. Du coup, on va aller chercher des plantations de là-bas. Normalement, on devrait en avoir, mais je suis pas sûr. Hop, voilà. Ok, voilà. J'ai pas de seal touch, c'est chiant, on va falloir qu'on s'en fasse une. Une breaking, fortune. Fortune. Si j'ai de la chance d'avoir un truc seal touch, n'importe quoi. Ok, j'ai 16. Bon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va devoir se faire un double coffre, je pense. Parce que double coffre c'est 9, 18, 27. Ouais non c'est pas assez même. Oh, tiens j'en ai un. Hop. C'est pas assez. Est-ce qu'ici on peut casser ça? Voilà. Casse ça. Et ici on va mettre les soupes. Ça va être donc l'objectif. Donc l'objectif, on va faire tout simplement des bols. Il me faut un stack de bols. Est-ce que j'ai du bois? On va prendre du bois. Tout simple. Alors hop, il me faut, voilà ça, d'accord, on monte, on va faire du bois, hop, mince, ok, hop, voilà, ça nous fait, ah bah 64, pile, voilà, on peut pas plus, là on a déjà donc, une fois que tout ça sera fini en fait, on sera à 64. Voilà. Hop, on les remplit toutes. Ça on peut laisser ici, ça j'ai pas besoin. Comme ça, ça nous fait plus de choses. Let's go. Hop. Ok. On peut pas faire et les lancer. Ça c'est pour les... Il y a que les bouteilles que ça fait ça apparemment. Hop, voilà. On continue. Cette vache-là, elle est... elle est vachement productrice, hein, celle-là. Allez, on continue. On fait ça. Hop. Encore. On va pas avoir assez de place. C'est pas grave, on se fera un autre coffre. Et on va se le faire direct. Hop, comme ça. Qu'on va mettre à côté, je pense. Hop. Voilà, un coffre. Et allez, Michel, tu nous fais... Daniel, pardon, excuse-moi de t'avoir insulté. Tu nous fais donc cette... Enfin, tu nous finis ça, voilà. C'est fini. On est pépère. J'ai juste besoin, justement, de une place. Est-ce que il y a quelque chose? Il n'y a rien. Ok, c'est cool. Hop. Et voilà, challenge, donc objectif fait, j'ai pas mal d'objectifs qui sont réussis, maintenant on va vite fait dormir déjà, ce serait une bonne idée, et puis tout simplement on va aller chercher un peu de bois de chaque, donc on a déjà le type noir, le type comme ça, il nous faut du boulot qu'on va planter et remettre. Alors, j'ai même du jungle sapling, du dark oak sapling. J'ai ça et j'ai ça. Ok.
Je pense que j'ai tout en fait, tout simplement. Voilà. Donc, je pense même qu'il faut faire une fontaine de lave ou un truc du style à un endroit, même là-bas en bas. Voilà, donc ça c'est fait. Hop, on prend ça. J'ai déposé, mince, mes trucs. Je les ai déposés. Hop, je vais la garder. Mes petites poudres de... enfin, ma petite poudre d'os, une petite bonne mille. Donc voilà, là il va y avoir donc un arbre d'un type différent. Voilà, le boulot il est fait. Il y a maintenant quoi qu'on va mettre. On va mettre celui-ci, le jungle. On va mettre ici comme ça. Voilà, l'arbre de la jungle il est ici. Maintenant on va mettre l'acacia qui va être par ici, qu'on va mettre juste ici comme ça. Boum, l'acacia, stylé. Et on va mettre le dark wax, enfin l'arbre noir entre guillemets. On va le mettre ici. Ok, donc lui à mon avis il faut plusieurs sapling pour avoir un truc comme ça. Ouais. Je pense, je suis pas sûr, mais je peux pas casser celui-là quand même. Il m'en faut 4. On va monter, regardez. Hop, 2, 3, 4. Il faut crafter de la TNT également. Donc je pense que j'ai assez pour en crafter de la TNT. J'aimerais bien avoir la des sapling. J'en ai 2. Je vais en avoir 3 normalement. Allez, donne-moi une. Je sais pas avec quoi, je vais faire avec ça. Il y a fortune dessus. 3 et 4, voilà. J'aurais dû faire avec ça depuis le début. Elle est tombée où l'autre? Ok, on va en reprendre une. Donc fortune, ça fonctionne. Sur les arbres, au moins je le sais. Voilà, c'est fait. C'est gagné. On a tout. On a nos 4. Oula, ça snipe. J'ai pas envie de me faire sniper et tomber dans le vide. Ce serait un peu rageant. Alors, hop, voilà. Hop, ici. Et boum. Lui, il impose son swag. Hein, le dark, il impose son style. Et voilà, je pense qu'on a fini cet objectif. Donc ça, c'est fait. Au niveau de l'objectif, là, c'est fait. Maintenant, on doit crafter une TNT, donc un autre objectif. Je vais mettre à jour tous les objectifs, vous inquiétez pas. Alors, il me faut de la poudre à canon. J'en ai du sable. Je dois en avoir. Sand, voilà. Et suffit de faire ça. Attendez. Il suffit de faire ça et... ça, et voilà, un objectif de plus réussi, donc ça on va le placer là. Maintenant, on va commencer les futurs objectifs. Alors les futurs objectifs, ça va être donc d'avoir 64 côtelettes de porc et 64 côtelettes, enfin steak cuit. Donc il va falloir commencer à nourrir nos petites bêtes là. Bah oui, parce que il faut les nourrir. Hop. Et j'ai décidé, j'allais vous en parler, de faire des vidéos un peu plus courtes en ce moment. Déjà pour raison personnelle, parce que les cours ça prend beaucoup de temps. Et tout simplement parce que c'est plus facile pour vous de les suivre. Je trouve ça plus sympa. Hop, voilà, donc ça c'est cool. On va aller donner des carottes à nos petits cochons. Alors les vidéos dureront une moyenne de 20 minutes, pas plus. 20 minutes, 25, entre 20 et 25 minutes. Peut-être un peu moins. Alors voilà, il faut reprendre des carottes. Mais le truc c'est qu'on va faire... là je pense qu'on va faire masse carotte parce que j'en ai quand même besoin et donc c'est utile. Donc hop, on va aller les chercher. Là j'ai de quoi farmer les carottes. Non, je vais pas les manger mais je vais tout simplement les farmer parce qu'il m'en faut énormément. Enfin il me faut au moins un stack de garantie et après il me faut de quoi nourrir tous les cochons. Donc je vais faire ça, là au moins j'ai un stack de garantie, je vais encore faire donc une tournée, voilà il me reste, enfin je vais faire jusque quand il me reste plus de bonnes mille. Voilà, et, non c'est pas ça que je veux, hop, là normalement je peux faire une tournée encore, genre c'est une tournée de bière quoi, je peux faire une tournée encore, voilà c'est bon. Boum 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 boum, c'est cool, et on le replante, et on se taille.
Et on fait hop, 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 hop. Voilà, c'est bon. Du coup, il me faut de la bouffe. J'ai du pain. Donc ça, c'est cool. La saturation du pain, je sais pas si elle est bonne ou pas. Je regarderai c'est quoi la meilleure bouffe au niveau de la saturation parce que c'est chiant que ça descende trop vite. Et donc là, les cochons, on donne ça, ça. Ils s'en foutent un peu les cochons, genre ils sont là en mode YOLO, ils s'en battent les steaks. Hop, 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 hop. Donc ça c'est cool. On a donné à manger à nos cochons. Et bah, le but maintenant, ça va être de remplir l'objectif. Donc l'objectif, j'ai la ferme à carottes, c'est sûr. Boum! Voilà. Une fois que j'ai un stack, c'est que j'ai la ferme. Voilà ça. Hop, j'ai la ferme, voilà. Je ne la ferme pas, mais j'ai la ferme, bien sûr. Et qu'est-ce qu'il faut faire d'autre? Bah voilà, je pense que c'est tout. On a déjà quand même pas mal avancé. Bon bah voilà, c'est cool déjà. Hop. Dites-moi un petit peu si vous voulez des vidéos plus longues, mais 20 minutes, je pense que c'est bien. Enfin, 15-20 minutes, je sais pas. C'est bien. Une fois que j'ai été à l'essentiel, c'est cool. Ça, je vais garder parce qu'il me faut un stack de bouffe. Enfin, de blé. D'ailleurs, on va se fermer un peu le blé. Parce qu'il m'en faut. Alors, je vais prendre voilà, les os. On va les transformer. Boum. Voilà. Et boum. Je vais prendre. Il faut que je prenne une faux. Comme ça, si jamais je suis bah, équipé, je prends ma faux. Voilà. Et je vais tirer ça. Comme ça, j'aurai tout ce que je peux avoir. Voilà, par exemple, ici, il me faut ma faux. Hop, hop. Hop, hop. On va farmer un peu le blé. Ça fait quelques épisodes que je le laisse pousser en fait. Et je le récupère jamais. Donc là, il faut que je les récupère. Donc ça, c'est fait. Récupérer, récupérer. Ici. Hop. Voilà. Ok, c'est bon. Tout est récupéré. Reviens ici. Hop, 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 hop. Ici, il y a des trucs, ok. Niveau du blé, je vais me faire un stack, donc je pense que je vais me le faire sur ça. Je vais me le faire ici parce que je vais me le faire que sur une base, parce que sinon ça va être long. Et ok, voilà. En fait, non, ça va être plus long ici. Du coup, on va se le faire là-bas. Là, c'est cool. Donc, hop. Hop, hop, hop. Ok. Enfin, je monte tout doucement en blé. Hein. Il me faut max blé, donc c'est ce qu'il faut. Tant mieux. Hop, 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 hop. Comme ça, j'aurai absolument. Enfin, j'aurai réussi l'objectif à 100%. Oula. Ok. Hop, je suis presque à un stack de blé. C'est cool. Parce que, en fait, il me faut un stack de blé fixe comme pour les carottes par exemple, et après il m'en faut pour nourrir mes vaches. Donc ça fait du bien de faire un petit retour aux sources, un petit comment on peut un petit plein de ressources quoi, un petit ressourcement, voilà, ressourcement, objectif. On finit les objectifs parce que de toute façon on arrive bientôt à la fin de la série. Donc bah le truc c'est qu'on finit les objectifs et puis c'est fini de toute façon. Il faudrait encore que je trouve un mouton. J'en ai toujours pas vu. Donc bah, je vais chercher, mais j'en ai toujours pas vu. Du coup, bah, c'est un peu gênant. Hop, hop, hop. Voilà. Je finis ma petite bonne mille. Et c'est bon. Boum. Voilà. Ok. Il y en a qui tombent là-bas en bas, j'ai l'impression. Ce serait marrant. Entre quatre murs, là, ça va très lentement. Allez. On m'a aussi proposé un truc pour la cheminée. On m'avait proposé que je mette du feu avec de la nether. La nether. Hack, je pense que c'est ça. Hop, voilà. Ok. Et on plante ça. Ok. Et. Boum. Voilà. Comme ça, on a tout. C'est fait. Boum. Je récupère ça. Ça, ce sera pour nourrir nos animaux. Et voilà, ça, hop, voilà, comme ça. C'est fait. Ça aussi, on place là. Et ça aussi, on place là. Et bien voilà, on s'arrête ici pour cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. On se retrouve donc très bientôt pour de prochaines aventures. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode. Et voilà, bah, prochain épisode, on continuera les objectifs, hein, comme d'habitude. Et donc, à très bientôt!